Bouddha Station fournit un petit frigo intelligent aux entreprises comme celui-ci, et puis on le remplit de lunch santé toutes les semaines. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les bureaux ces temps-ci? 90% des bureaux, 90% de nos clients nous ont mis en stand-by parce que les bureaux sont fermés. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Pas facile, la situation évolue d'heure en heure. Ce qu'on pensait il y a 6 jours et plus ce qu'on pense maintenant. J'ai reçu un courriel il y a 2 jours d'une amie qui est la directrice générale du YWCA de Québec qui me demandait, pouvez-vous nous aider? La banque est vide d'aliments. J'ai dit, bien sûr, on va t'aider, mais ça a comme fait tourner quelque chose dans ma tête. En même temps, hier, je reçois un courriel d'une entreprise qui dit, je veux qu'on garde nos employés et qu'on le livre à la maison. Pouvez-vous faire ça? Ben, c'est pas notre modèle d'affaires, mais ça m'a fait réfléchir. Fait qu'on s'est dit, comment on peut aider les banques alimentaires? Puis les gens qui sont à la maison, qui en ce moment, c'est sûr, cuisineront pas 21 repas dans toute une semaine, certains. Fait qu'on a décidé de lancer Bouddha Entraide. Normalement, c'est 10 repas minimum par entreprise, on le met à 5. Puis vous savez ce qu'on fait avec les 5 autres? On les prend, les 5 autres, puis on va aller les porter à chaque commande, les 5 autres, on va aller les porter dans des banques alimentaires partout au Québec. On livre déjà partout au Québec. On a des clients à Montréal, à Drummondville, à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Québec. On va encourager les banques alimentaires pour aller chercher notre modèle d'affaires de 10 minimum. Les clients à la maison, ils pourront en avoir aussi peu que 5. Donc, là, je comprends bien. J'en achète 5. Il y en a 5 qui vont également dans une banque Qui sont alimentaire. donnés à une banque alimentaire OK. à chaque commande. Donc, se nourrir, t'offres l'opportunité aux gens de se nourrir, puis ça, par la banque, ça donne l'opportunité à des gens dans le besoin d'avoir accès à de la nourriture. C'est encore mieux que ça. J'offre aux gens l'opportunité de se nourrir santé dans un contenant qui est réutilisable, que des aliments sains avec des protéines bio. Et à chaque 5 commandes minimum, on en donne 5 à une banque alimentaire de la région où ils ont commandé. Ça va faire travailler nos employés. Je pense que ça va aider des gens qui sont à la maison, qui veulent continuer à prendre soin de leur santé. Et on va donner un coup de pouce aux banques alimentaires.